Paris, premier rallye avec Bruno ou t'en as déjà fait, ça s'est bien passé? J'en avais déjà fait plusieurs, je crois que c'est notre quatrième ensemble. Bon, ça se passe toujours bien, on cherche, on rigole, enfin c'est la bonne ambiance, la bonne humeur, tout va bien. C'est le VHC, hein, c'est quand même top. Hein. Ah bah moi c'est ce que je préfère, de toute façon le VHC, papy, les vieilles voitures, et puis voilà, non, tout va bien. C'est ton papy, c'est ça? Non, c'est juste que j'aime bien le taquiner en l'appelant papy. Alors Bruno, comment s'est passé ton rallye? Pas comme tu voulais, mais bon, tu étais en tête, ça c'est quand même déjà rassurant. Et puis bah, y a eu ce problème mécanique ce matin, alors comment ça s'est passé? Oui, bah on perd 10 minutes sur le routier pour trouver la panne, donc 10 minutes, 1 minute 40 de pénalité, donc bon, bah, on tombe au classement. Bon, on gagne le groupe 4, mais bon, on était tout seul, donc c'est facile, c'est plus facile. Après, non, parce que à la fin du deuxième tour, on était toujours en tête pour 8 dixièmes. Après, bon, bah, là, on a lâché dans la dernière, on s'est fait plaisir. On a déliré dans la voiture. Bon, elle a eu un peu mal aux fesses au niveau de la bosse. D'accord. On le verra sur la vidéo. Mais non, c'est bien, bien amusé. On est à l'arrivée. Bon, parce que bon, quand je suis tombé en panne sur le routier, je pensais pas repartir. Quoi. Vraiment, c'était vraiment la dernière chose que je pouvais changer pour dire arriver à repartir. Et ça l'a fait. Donc, coup de chance. Bon, ben. Comme quoi, il faut toujours persévérer dans la vie. Ah oui, là-dessus, je lâche rien. Là-dessus, je suis toujours têtu et puis borné. Ah oui, non, je lâche rien. Tant qu'on n'est pas hors course, j'essaye. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des personnes à remercier, Bruno? Alors, je vais remercier Richard d'être venu à l'assistance. Clarisse, ma copilote, bien sûr. Et puis après, bah, mes sponsors, bien sûr. Parce que c'est dur à trouver quand même. Hein. Voilà. La prochaine course? Semaine prochaine, Elbeuf. Si elle me fait pas de caprice. D'accord. Il y a un protège-carter à réparer cette fois-ci, non? Oh, il a mangé quand même, oui, je pense, quand même. Parce qu'il était déjà bien réparé, là? Non, il était neuf, là. Mais celui qui a été réparé, donc il est d'avance, donc ça va aller. On va faire l'échange cette semaine, et puis ça va aller. Merci à vous, puis à bientôt. Merci à toi.